Et bonsoir. On est reparti pour Tomb Raider. C'est parti, 34%. Jusqu'où ça va nous mener, tout ça? Proche de la fin, est-ce qu'on est loin? Est-ce que... C'est pas du tout. Découvre encore beaucoup de choses, mais j'ai juste l'impression d'être au début en fait. A tellement de trucs à découvrir. T'as pas l'impression d'avancer. Or, tombeau par là. Allez faire le tombeau et puis après on continue. Ah. Voilà. On est bien sûr que cette résine de pain va brûler. C'est par là. Salut. On commence, on dit salut à tout le monde. Grand plongeon, sauter les plateformes. Des munitions. Ce point fil de fer est requis. Mais tu peux te la mettre ta bobine de fer. Je ferais peut-être un truc. Est-ce qu'on ferait pas un voyage rapide vers le marchand? Voir ce qu'il nous propose. Salutations. Ça. Avait pas des nouvelles tenues aussi? C'était par la guerre, je crois qu'on avait ça, non? Escapé. Là par Jacob. Ça c'est puis le temps d'attente avant que la santé commence à se régénérer en cas de blessure, c'est pas mal ça. Papier là. Et je pourrais enfin me faire des balles.
champ, il est fort ici. Alors, t'as des munitions par là? Perfectionnement. Bon, c'est ça qu'il nous fallait. Suivant de toutes les améliorations d'armes. Ascendeur de corde. Permet passage plus rapide sur les corps. Si on sent. Il est trop cher. Ok. Merci, au revoir. Vu le prix des trucs. Si on est censé pouvoir à peu près tout acheter, on est passé à côté de choses, on est loin de la fin. Salutations. Il y a quelque chose qui bourdonne au-dessus de la vallée. Ça n'a pas dû vous échapper. Salutations. Lié à proximité. Quête.
même pas où je, ce que je vais faire là. Ah, pour allumer le bordel. Je peux plus de bouteille. Rien pour faire du feu. Histoire là. Chose pour faire du feu en fait. La flasque pétrole. Va embraser le tissu. Ah ouais, d'accord. Change après. Ok. Des balles. Bon, faudra penser à refaire le crépi quand même. Un peu à désirer le creepy. Allez, comment? Merci Lara. Les autres sont prévenus. Ça devrait leur laisser le temps d'évacuer. Rejoignez-moi dans le haut village. J'y rassemble nos troupes. Très bien. Central AC des spéciales. On va prendre feu là. Qu'est-ce que je fous là? Non? C'est pas ce que je voulais faire. Ah, je peux pas y aller là? Ah, ouf. Ici.
serait pas dans un tombeau. Aurora, le médecin. Un peu long. Un taureau. Récupérer le pétrole, d'accord. J'ai pas suivi que c'était ça tout à l'heure. Le cercueil, c'est aussi simple. Il n'y a que ça. Je vais passer à côté de l'autre, mais ok. Petit tombeau alors. Thank you.
Bon, bon, bon. Est-ce qu'on fait un explore ici? Oh, des munitions, monolithes. C'est qu'il y a un monolithe. On dirait une sorte de carte, mais je n'arrive pas à la déchiffrer. Une pièce en fer découpée pour faire une sorte de pince. Je reconnais ça. Peut-être pour arracher les clous. Non, c'est un décapsuleur. Corne. On t'a un hélicoptère, non? Bien le bonjour. Salut. J'espère que vous savez vous servir de cet art. Jacob, des hélicoptères Merde. Arrivent dans votre direction. Oh. Rejoignez-nous le plus vite possible! Tout le monde derrière les barricades! Vite! Vite! Attention! Restez à couvert! Je crois que je suis pas là où il fallait en fait. Ah si! Ah bien, je suis au bon endroit. Retirez-vous! Restez groupés! Il est sympa leur village. Où se trouve la source divine? Allez, pas! Arrêtez! Ne leur faites plus de mal! Où est-ce qu'elle est? Attendez! Attendez! Il y a un plan! L'Atlas! Il vous y mènera! Ok. Dis-moi plus sur cet Atlas. Allez, on a le fusil à pompe maintenant. Il me faut un... On est à leur merci à la crête du village. Si quelqu'un m'entend, on a besoin d'aide. Il crame. Puis il va falloir le tirer dans les bouteilles. Écartez-vous, je m'en charge. Je vais te faire sortir de ton trou.
Ah merde. C'est chaud. Mais... pourquoi j'ai pas pu tirer? Il y a tout qui crame là. Qu'est-ce que je fasse? Du nul moi ça. Il est où? Je le vois plus. Voilà. Ça m'arrêtera pas. C'est chaud. J'ai plus rien, j'ai plus de balles, j'ai plus rien là. On se replie, allez tous au point de largage. Les natifs nous ont repoussés. Croft est avec eux. De nombreux blessés et des cadavres dispersés partout. Nous aurions dû la tuer. Tu as déjà accompli tant de choses. Mais elle va peut-être réussir là où toi tu échoues. Je n'ai pas encore échoué. Tu veux que les Trinitaires viennent s'en mêler? Tu sais ce que ça veut dire. Que je meure leur est égal. Ils n'ont aucun intérêt à ce que je survive. J'ai besoin du pouvoir de la source. Ne t'inquiète pas. Tu vas la voir. Ne perds pas la foi, Anna. C'est la volonté de Dieu. Notre réussite est inéluctable. Je t'en supplie. Trouve-la vite. J'ai peu de temps devant moi. Je suis allé si loin. J'ai tellement enduré ces ultimes obstacles que vous avez dressés sur ma route. Ces péchés que vous m'avez forcé à commettre, il y a forcément une bonne raison. Vous devez me montrer la voie. Accordez-moi la force de continuer pour elle, pour vous, pour les Trinitaires. Pitié. Montrez-moi la voie. Nous vaincrons par le sang. Toi, reste avec moi. Je suis désolée. Votre peuple ne mérite pas ça. Nous avons choisi cette voie. C'est notre devoir. Ça n'a jamais été facile. Je sais ce que ça fait de perdre des proches. Les Trinitaires ne s'arrêteront pas. J'en ai bien peur. Ils ont beaucoup de ressources. Et cet atlas? C'est un vieux plan de la cité antique. Les Trinitaires ne le trouveront pas à la tour. Beaucoup des miens sont installés dans ces ruines. Ils ne sont pas préparés à un tel assaut. Je peux les aider, Jacob.
Vous voulez le faire pour nous? Ou pour ce que vous recherchez? Pour l'instant, c'est un peu des deux. Je vous rejoindrai avec des renforts, dès que tout sera réglé ici. Ok. On est mal en point, Jacob. Cette attaque nous a dévastés. On ne peut pas là. Ce n'est pas redevenu normal. Pas plein de munitions par là, pour passer un stock. Il faut les emmener dans un endroit sûr. Se trouve. Bon, on n'y a pas été là-bas. Par là-bas. Mais on n'a pas le temps. Mais c'est de la douleur combien, non? Deux balles dans la mitraillette. Je peux pas y aller en fait, faut que je passe par là. Bon. Sur la route normale, ouais. On va récupérer quelques munitions. Mais... Je sais pas comment on fait des roulades. C'est ça qui m'a manqué tout à l'heure là. Faire des roulades en fait. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Je ne peux pas sauver ta jambe. La blessure est trop grave. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois la couper. Désolée. Non! Non, c'est pas vrai! Tu ne peux pas me couper la jambe! C'est pas possible! Je ne pourrai plus me battre! Laisse-toi te couper la si jambe. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Je t'éclate la tronche. Ta jambe va pourrir et ça va te tuer. C'est ça que tu veux? Ne fais pas ça. S'il te plaît. Tu as de la chance. Si elles avaient continué leur course, tu te serais vite. Je ne te laisserai la chance. Ah, tu rigoles là. Ça fait un mal d'une balle. Mais elle est lucide. Je garde un œil sur elle.
réputation. Allez, regarde-moi. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Wesh, là, y'a un tombeau. J'ai toujours pas eu de feu de camp, ça fait un moment là, non? L'année qu'on a eu, il est là. Ce que je voulais faire. Ok, se recoiffe à chaque fois. Bâton. Haute. Pourquoi passer dans l'eau? Pourquoi dans l'eau pour pas avoir un billet passé? Oh. Ah, une sorte de chambre funéraire. Oui. Ça fait penser à Batman là quand il doit remonter, sortir la prison. Un panier en argent. C'était sûrement un objet de décoration. Mais quelqu'un s'en est servi pour transporter du grain. Il va me ramener après. Oh là. Magnifique. Je peux pas sortir après d'ici là. Allez, point de compétence. Continue ici. Bon. On va
faire comme on a dit, on fait ligne par ligne. Peut-être faire... Faire lui là. Tire. On peut faire un... Pistolet, on peut faire lequel? Quand on va rentrer, ça va nous ramener tout en bas. Oh. Trop chiant. Alors, sans le bordel. Là où est-ce qu'il faut aller? Si je peux le savoir déjà, ah. Pas. D'accord, j'ai pas trop compris la mécanique. Des pièces pour le passeur. Nous sommes peut-être loin de chez nous, mais cela ne fait pas de nous des barbares. Quand nos êtres chers nous quittent, comme c'est arrivé trop souvent cette saison, nous les traitons avec le respect qui leur est dû. Quand nous n'avions pas encore de vignes pour produire du vin, nous lavions les morts dans les eaux du lac. Quand nous n'avions pas de métier pour tisser leur linceul, nous les enveloppions dans des fourrures et des peaux. Nous avions apporté quelques pièces, mais nous frappons désormais les nôtres pour que les défunts puissent acheter leur passage dans l'autre monde. Si seulement le prix à payer n'était pas aussi grand. Il
je sais pas du tout ce qu'il faut faire ni où il faut aller. Peut-être là-bas. Ah mais merde. Une autre marque là-bas. En vrai, jamais. Trop nul. Je suis trop nul. Ah, ok, ça va pas être ça qu'il faut faire alors. Tourne pas celle-là ? Le temps encore. Le truc, ça va être pour la guider. De faire du die and retry.
une sortie de cette merde. Et la musique, j'ai l'impression d'avoir fait un truc de fou. Alors qu'on est passé de là à là. Intéressant. Ils embaumaient leurs morts. Elle a vu ça. C'est pour ça qu'il y a un calice en or, digne d'un roi ou d'un prophète. Il a été fabriqué ici, à Kitej. Savoir anatomique. Connaissance anatomique. D'accord. Localiser l'emplacement du cœur des ailes utilisant l'instinct de survie en visant vos proies. Tirer dans le cœur permet d'infliger des dégâts. Ces tirs sont sans effet sur les ailes. La peau épaisse, les autres, c'est l'effet. Et. Un phélem, mais au final, c'est pareil. Ok. Là, ils me font repasser de l'autre côté. Comment je fais ? Là-bas, ça a l'air intéressant aussi. On peut y aller ? J'embarque les deux. Porte par là-bas. J'essaie du moins. Sinon le feu de camp il va m'amener je sais pas où là. Je vais pas arrêter de le dire tout le long du jeu, mais c'est vraiment trop beau.
Ok, revenu là. Là, le feu de camp. Si seulement tu pouvais voir la vue de ma tante Lara. Le chantier est absolument splendide dans la lumière du crépuscule. Quand les derniers rayons du soleil viennent frapper les découvertes de la journée. Ensuite, les feux s'allument petit à petit et l'odeur de la viande grillée se répand dans tout le campement. Ils me disent que c'est du cochon d'Inde. Je n'ai pas voulu goûter. Ross en a mangé deux. Peut-être que la prochaine fois, je te demanderai de m'accompagner. Comment s'est passé ton examen d'histoire ? Ce sont mes meilleurs souvenirs, papa. Être sur le chantier de fouilles avec toi. Surtout quand tu m'as signé à ma propre parcelle à fouiller. J'adorais ça. Ce sentiment de participer à quelque chose d'important. Je comprends mieux. Si je suis ces directions... Chaque fois qu'elle lit ces trucs là, elle finit pas les phrases. Il va y avoir des méchants par ici. Jacob, c'est un vrai carnage ici. Il n'y a aucune trace de votre peuple. Sophia a dû les conduire dans les catacombes, sous la tour. Et j'ai perdu le contact avec elle. Très bien. Je vais voir là-bas si elle y est. On a presque fini d'évacuer les blessés ici. Je vous rejoins dans peu de temps. Voir là-bas si j'y suis. Là, c'est du tout droit, normalement, il devrait y avoir des tensions. Pas que c'est pas bien, les tombeaux, mais j'aimerais bien avancer dans l'histoire.
sortir, non? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ah, c'est une nouvelle zone, on n'était pas encore ici. Au milieu de la merde là. Bordel. Je veux des réponses. Mais ai-je vraiment le choix maintenant? Je ne peux pas laisser les Trinitaires tuer ces gens. Ces lignes, je les ai franchies il y a bien longtemps. Et je ne peux pas faire demi-tour. Je dois les aider. Il ne fait aucun doute que le peuple de Jacob serait prêt à mourir pour lui, et lui pour eux. Ce genre de loyauté est rare. Elle est d'autant plus remarquable dans un endroit comme celui-ci, au bout du monde. Si je me bats à leur côté, peut-être que Jacob me fera suffisamment confiance pour me dire ce qui se passe réellement. Donnez-moi des munitions. Ça, je vais tous les défoncer. C'est pas vrai. De cette vallée nous était étrangère, autrefois. Mais ce sont désormais nos frères et nos sœurs, au même titre que les membres de notre famille. Les chasseurs savent beaucoup de choses sur ces animaux, surtout une fois qu'ils sont morts. Mais ces créatures sont aussi généreuses de leur vivant. Dans le nid des oiseaux, nous trouvons des plumes qui permettent aux artisans d'empenner les flèches. La vallée pourvoit à tous nos besoins. Il suffit de demander. C'est pas comme si on faisait ça depuis le début. Et j'ai que des munitions de pistolet, quoi. C'est bien quand même ce jeu parce que t'es... un open world, mais t'es minimum guidé quand même. Truc là.
Ne tirez pas, nous allons. Ok. Faire la guerre avec un arc. J'en ai loupé un. Va falloir être plus minutieux. Faites-moi un état des lieux. Tout est calme ici. L'équipe 4 est en train de fouiller les tunnels à la recherche de l'Atlas. Déployez-vous et passez la zone au peigne fin. Tuez tout ce qui bouge encore et servez-vous plutôt de vos couteaux. Il faut qu'on économise les munitions. Faire des soins là. Je sais pas ce qu'ils soient aussi nombreux en fait. Je galère à la faire bouger là. C'est quoi ce bordel? Un truc, 2 minutes. C'est bon, sage. Oui, on sait pas ce qu'il fait là.
C'est vrai que j'ai les flèches incendiaires aussi, c'est pas mal ça. C'est incroyable. Hé, hey, attends. Les peintures vont pas bouger de là. Je crois que je les loot automatiquement. Je fais des éliminations furtives comme ça, je les loot. Qui est full maintenant, mission de pouvoir canarder au pire. Pas trop où je suis en fait, hein. J'avance. Mais... Oh merde! Merde! Je l'ai dit comment? Hé hey, oh, attends! Ces enfoirés sont loin d'être cons. T'inquiète pas, je tire sur tout ce qui bouge. Bah vas-y doucement, ouvre l'œil. Oh mais merde. Oh c'est pas vrai. Cible en vue. J'ai eu. Allez, on va en finir. Elle est là. Mais à travers le mur là? Sérieux? Détache.
Lâche-moi. Je vais tous les tuer jusqu'au dernier. Du calme, Sophia. Tu as vu cette boucherie? Comment on va se remettre de tout ça? Peut-être que votre peuple s'est déjà assez sacrifié. C'est... notre devoir. Je me suis trompée sur toi. Dis-moi ce que je peux faire pour aider. Je dois emmener les autres en lieu sûr. Mais l'entrée des catacombes est obstruée. Je vais vous la dégager. Ça va aller, tu vas voir. Ça va, tout va bien. Aidez-nous à mettre les autres en lieu sûr. Je suis une part derrière là. Je peux avoir plus de munitions maintenant? Je peux pas l'ouvrir d'ici. Elle doit être bloquée de l'autre côté. Ok. Pas de l'autre côté. Par où? Pas sur l'autre. Je peux pas remonter là. D'accord. Ok. Peur lui. C'est par là. Ah oui, d'accord. C'est de l'autre côté que ça bloque. La voilà. Je peux peut-être la débloquer d'ici. Les catacombes. On y sera en sécurité. C'est des alliés. Pile ce qu'il me faut. Comme par hasard. Ça devrait le faire. Flèche grenade. Oh. Une amulette en forme de cerf, taillée dans un bois.
Ça pouvait être un objet important ou un jouet d'enfant. Dans le cerf. On va faire une petite pause. Je reprends dans quelques minutes.
Et me revoilà. Allez, on reprend. On va pousser cette porte. Il va falloir qu'ils se poussent les autres. Éloignez-vous de la porte! Merci, Lara. Ils sont en sécurité dans les catacombes. Je sais que tu recherches la source divine, mais mon peuple la protégera jusqu'à la mort. Ton peuple est déjà en train de mourir. Vous ne pourrez pas la protéger éternellement. On l'a bien fait jusqu'à maintenant. Mais pour l'instant, je suis contente que tu sois notre allié. Et ils convergent vers la tour. Certains sont encore là-bas. Emmène les autres en lieu sûr. Ils ont besoin de toi. De camp, il est où? Location de flèche grenade. C'est là qu'on a pété. Là, c'est là qu'on a pété. Quand il est là. Ça y est. Ça parle d'une chose qui est cachée. Allez, on peut s'attaquer à survivant. Il faut fabriquer des chargeurs grande capacité. Putain, il y a énormément. On prend toujours des chemins de fou. Je me demande si les autres ils ont fait ça aussi. Charge. Bon truc. Ok, eux, ils ont pas attendu les détonations. Ah si, ah, mais non, d'accord. Couverture. Je me
dernier. De perfectionnement. Enfoiré! Il m'a merde avec ses grenades, lui, c'est qui ? J'ai des grenades maintenant. Mais... Chaud devant. J'ai bien fait chier avec ces grenades. Jacob, le combat tourne à notre avantage. Beau travail. Ces hélicos seront bientôt à notre portée. Les voilà. Ah. On a réussi.
Lara, tu es là? La tour grouille de Trinitaire. On est piégés en dessous, dans les catacombes. Bon sang. Tenez bon. J'arrive tout de suite. Ah, c'est brouillé tout seul, là. Vous pouvez pas nous blairer. Ça des rechargements. Non. Finissons-en. Pas fini. Ils ont déjà posé les ordi et tout. On se dirige vers les catacombes. On va avoir besoin de renforts. Bien reçu, on arrive. On pourrait régler ça vite fait en leur lançant quelques grenades, non? Non, l'Atlas est peut-être caché là. Ah, il a raison, on peut pas. Attention, on nous attaque! Oh,
Oh putain, c'est pas vrai. Hostile repéré. Putain. Merde. Oh oui. Et comment tu vas crever. Expliquer comment il me touche à cette distance. Jacob, ils sont partis. Ce n'est que le début des hostilités. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit ? Vous l'avez bien mérité. Venez avec moi. Elle n'est pas contente. En des temps anciens, notre prophète a apporté la source divine dans cette vallée. Mes ancêtres ont bâti Kitej pour la protéger du monde extérieur. Mais dans quel but ? Allez, dites-moi ce qu'est la source divine, Jacob. C'est un artefact qui date d'une ère oubliée. Nous pensons qu'elle contient un fragment de l'âme de Dieu. On raconte que ceux qui ont regardé la source se sont vus accorder l'immortalité. Mais il existe une communauté qui l'a toujours convoitée. Les Trinitaires. Oui. Ils veulent répandre leur idéologie à travers le monde. Avec la source, leurs soldats deviendraient indestructibles. Alors il faut que vous m'aidiez à mettre la main dessus avant eux. Ce n'est pas votre fardeau. Bien sûr que si. Mon père a donné sa vie pour ça. Vous ne pourrez jamais combler le vide qui est en vous. Vous devez vous en libérer. J'arriverai à la trouver. Avec ou sans votre aide. Attends, Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Tu sais où se trouve l'Atlas ? À la cathédrale, dans les archives au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais y trouver ? Il y a une autre armée. Les Immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les Trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais. Tiens. Prends ça. Ça t'aidera à atteindre la cathédrale.
Ça, tout ça. Mine de fil de fer. Ah. Ça va nous servir. Je sais plus où on vient force. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a. Oh, full. On repart en solitaire. Compris. Joli grappin. L'air appuyé sur E. Ah oui. C'est à ça que ça sert la bobine. Ah, je sais pas. Lara, si tu vas à la cathédrale, les trinitaires seront partout. Je sais, mais je n'ai pas d'autre choix. Vas-y, déverrouillé. On va voir ce que c'est. Tant de violence et de mort. Je sens. Le peuple de Jacob a traversé tellement d'épreuves. Et pourtant, ils continuent à se battre. Ils sont liés par un serment prêté par leurs ancêtres. Un devoir hérité du passé. Mais tout ce que je vois, ce sont des gens qui veulent vivre en paix. Je pense qu'il est temps pour eux d'enterrer le passé. Si j'arrivais à trouver l'Atlas, ils pourraient me conduire à la source divine. Je pourrais l'emporter loin d'ici, et ils n'auraient plus à souffrir. Il pourrait partager le poids de la vérité avec le monde. Mais si tout ça ne mène à rien, je ne sais pas ce que je ferais. Bon, continuez. On va pas tarder à s'arrêter. Santos, et face à l'ennemi. Ok. Ah.
moyen que j'aurais pu trouver. Mais la prime n'en valait franchement pas la peine. Ouais, l'un d'eux s'est rendu. Mais les gars de l'organisation étaient là et ils ont tout vu. Du coup, j'ai pas eu le choix. Ils les ramènent à la vieille prison ? Seulement quand ils les soupçonnent d'avoir des infos sur l'Atlas. Constantin veut leur poser quelques questions. Il emmène les autres près de la cathédrale. J'en connais un qui va passer du bon temps. J'espérais qu'on tirerait au sort pour décider qui s'en chargerait, mais bon. Ça fait longtemps que tu fais ce boulot ? Quelques mois, mais c'est ma première opération clandestine. Ça faisait un bail que j'avais pas été sur le terrain. J'étais un peu rouillé. Et toi ? Ça fait pile un an que je bosse pour Constantin. Un de mes vieux potes de l'armée m'a recommandé. Avant ça, je bossais pour une des grandes familles de Kiev. Mais il a fallu que je quitte la ville. Ça arrive souvent, ce genre d'opportunité ? Non, c'est un cas exceptionnel. Ah. Je la vois. D'habitude, j'ai pas de titre. J'ai joint tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Anna et Constantin commandent les opérations sur le terrain, mais quelqu'un d'autre tire les ficelles. Quelqu'un disposant de moyens et d'une influence énorme. J'ai écrémé la liste des sources potentielles, mais j'ai du mal à avaler qu'un membre du Vatican puisse diriger une armée privée. Cela dit, tous les chemins mènent à Rome. Crois-moi, même moi je trouve ça dingue. Mais les gens doivent savoir. Et si je dois crever ici, au moins j'aurai ma conscience pour moi, pour une fois. Et Constantin, je sais que vous lisez probablement aussi ce message. Vous pouvez me faire disparaître, mais vous ne l'emporterez pas au paradis. Et juste au cas où j'aurai pas l'occasion de vous le dire en face, putain. Vous êtes complètement barge. Vous êtes complètement barge. Les mercenaires peuvent finir le boulot aussi. On est attendu à la base. On les laisse s'en occuper. Reçu, pas de problème. Bien reçu. C'était quoi ? Qui va ?
devoir. Compris. Quelqu'un nous surveille. Hostile repéré. Putain. Bien reçu. Eh bien, encore une fois que j'ai voulu être discret. J'ai vu deux trucs qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Envie de tout faire péter. Ça dépend pas de lui, mais il va nous recommander tous les deux. Après, il faudra qu'on accomplisse une sorte de rituel d'initiation. Et c'est tout ? C'est tout ce qu'il peut faire ? Tu sais, il y a des gars qui ont été sous contrat pendant des années avant que les Trinitaires les initient. Ça finit par parler. Il y a pas que les performances qui comptent. On fait un genre de serment et après, il y a le rituel. Il a dit qu'on le saurait bien assez tôt. Oh mais... Tire de suppression ici, vite. Comment est-ce que je puisse pas monter là? Il est
foutue maladie. Oh, elle détruit mon corps. Et voilà qu'à présent, elle menace aussi mon esprit. Je dérive de plus en plus. Je me perds dans mes souvenirs. Je ne cesse de penser au jour où Lord Croft est mort. À la façon dont le plan a changé. Je pensais que nous avions échoué. Et avant ça, mes premières années chez les Trinitaires, quand j'ai appris l'histoire secrète du monde, et que j'ai découvert que c'était notre devoir de le sauver. Et avant encore, je revois mon enfance. Constantin et moi, nous n'avions que l'un pour l'autre. Puis j'arrive enfin à m'arracher au passé, à revenir au présent. J'ai toujours accompli mon devoir, et je compte bien continuer. Piou les grappins et corniches lancés. Trop piou. On a le son. Mon père a disparu. Hier soir, je lui ai parlé des envahisseurs et des armes dont il disposait. Sophia, au lever du soleil, il était parti. Cyril m'a dit qu'il allait revenir, mais la journée s'achève et personne ne l'a vu. Je crains que cet idiot n'ait agi sans réfléchir. Nous avons besoin de lui. Maintenant plus que jamais. Allez, on va y mettre ça. Je voulais regarder un truc pour bouger, donc on va pas sur un truc. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'attends, tout est relatif. Ouais, on va s'arrêter là. On se dit à bientôt la suite, peut-être demain soir, je ne sais pas du tout. Voilà, à bientôt.